Good morning, alle Yiden, les tous aujourd'hui, le Nishmat, Mourir, Rabbi Shmuel, Ben Shlomo, Zalman, Issim, Ben Aouda, Sarah, Batrana, Rachel, Nishlomo, Ben Esther, Rishabat, Chaim, Nechamia, ainsi que Nurfuat, Abraham, Uri, Ben Reout, Betor, Shar, Chole, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, pour faire 5 minutes éternelles, nous étudions Maserhet, Zvachim, Perek, Gimel, Mishnah, Bet, Kibel, Akasher, Venatan, Apasoul, Yachazir, Akasher, Kibel, Mimino, Venatan, Ismolo, Yachazir, Limino, Kibel, Bichli Kodesh, Venatan, Bichli Chol, Yachazir, Bichli Kodesh, נשפח מן הכלי על הרצפה והספו כשר. נתנו על גבי הכבש שלו כנגד היסוד. נתן את הניתנים למטה למעלה ואת הניתנים למעלה למטה. את הניתנים בפנים בחוץ ואת הניתנים בחוץ בפנים. אם יש דם הנפש יחזור הכשר ויקבל. Une משנה qui continue un peu le même principe que la משנה d'hier. Je rappelle d'abord très rapidement le principe de la משנה d'hier. C'était tout simplement de nous dire qu'une personne qui n'est pas apte à faire la avoda, faire le service au Beth Amikdash, eh bien, s'il fait une action, son action est nulle et non avenue. Ni ça marche, mais ni aussi ni ça invalide si toutefois il avait une mauvaise intention, parce qu'il a fait un maasé sans aucun sens. Il n'a rien fait. D'accord ? On va continuer avec le même principe, surtout dans la deuxième partie de la Mishnah en fait. La Mishnah, on pourrait la couper en deux. Première partie de la Mishnah d'abord, elle est d'abord de nous apprendre que sache que invalider quelque chose, ce n'est que lorsque tu fais une action, mais si tant que tu fais rien, eh ben, tu peux rectifier le tir. C'est-à-dire, la Mishnah va nous prendre par exemple l'exemple. On avait déjà évoqué que la avoda, le service doit être réalisé par exemple avec la main droite et pas avec la main gauche. Toujours, quand on a remarqué, yado à imanit. On apprend toujours la main, sa main, c'est la main droite. Toujours, c'est un grand limoud qu'on apprend. On avait encore toutes sortes de... une personne qui est inapte à faire la avoda. Si toutefois, le Kohen, pendant qu'il marche, il s'arrête quelques secondes, il fait passer le clé dans la main gauche, ou il le donne, il dit au Israël, attends, attrape-moi ça une seconde, je refais mon lacet. C'est pas vrai, il n'y a pas de chaussures dans la Zara. En tout cas, attrape-moi une seconde, je me gratte, je sais pas, peu importe. D'accord ? Il donne ça à Israël. Ben pour le moment, il n'y a rien eu de grave. Tant qu'il n'a pas marché de manière qui est invalide, marcher, c'est l'avoda. On rappelle, quatre avodot. Shrita, Kabbalah, Holacha, Zrika. Égorger, recevoir le sang, apporter le sang et le jeter. Et le verser sur l'asperger sur le misber. Donc, tenir le sang, ce n'est pas encore une avoda. Marcher, c'est un problème. De ce fait, si, par exemple, il fait passer le kli, le misrak, l'ustensile dans lequel tout le sang se trouve, il le fait passer dans la main gauche, mais il ne marche pas avec, il n'a rien invalidé. Aucun problème, tu le refais passer à droite et tu continues à marcher. Même principe, tu l'as donné à un Israël à attraper, il n'avait pas le droit, l'Israël, il avait juste le droit de faire la shrita, comme on apprenait dans le Mishnah d'hier, mais il n'avait plus pas le droit ensuite de faire ni la Kabbalah, ni la Holacha, ni réceptionner le sang, ni la porter vers le misbar. Il l'a donné à attraper. Rien de grave, tu le récupères. Tant que l'Israël n'a pas marché, n'a pas fait avancer le sang en direction du misbéach, c'est pas une holacha, ça n'invalide pas. Donc de ce fait, tu le refais passer à gauche, à droite. Idem encore, ouais, je l'ai dit tous à l'oral, comme ça après quand on va les traduire, ça ira plus vite. Idem, la avoda doit être réalisée dans un kli kodesh, spécifiquement. Elle doit être faite dans un kli kodesh, dans un kli saint qui appartient au Beth Amikdash, où il y a une gdusha dessus. De ce fait, par exemple, si le Kohen il a amené un verre de chez lui, de la maison, il a égorgé le corban, il cherche l'ustensile, il ne trouve plus l'ustensile, il veut prendre son verre de la maison, il réceptionne le sang, c'est fini. Il a fait la Kabbalah avec un kli chol, un kli profane, qui n'est pas kadosh. Par contre, s'il réceptionne le sang comme il se doit, mais que pour une quelconque raison, il voit qu'il y a un trou, il dit oh là là, deux secondes, il transverse dans son verre, il n'y a rien de grave, tu prends un autre kli kadosh, tu remets dedans, tant que tu n'as pas marché. Si tu as marché avec, tu l'as rendu invalide. C'est clair, principe clair. Il y a encore une autre sorte de cas, un autre cas évoqué dans la Mishnah encore, comme ça, après on les lit tous d'un coup. C'est, il a attrapé le sang, il a reçu, réceptionné le sang dans le Mizrak. D'accord ? Il faut recevoir le sang spécialement dans le Mizrak. Une fois qu'il a réceptionné, elle commence à marcher. Il a trébuché, il est tombé, le sang s'est renversé. Il faut savoir maintenant, le sang, ça suffit même, je crois, une goutte de sang qui arrive sur le Mizrak, on s'est déjà acquitté. On le verra plus tard. C'est une goutte, il me semble que c'est même une goutte. Donc imaginez, il a renversé, il réceptionne le kli, l'animal, il n'y a plus de sang à l'intérieur, dans le kli, il n'y a même pas une petite goutte dedans, mais il y a encore du sang par terre. Il le ramasse comme ça, il le fait rentrer avec son doigt, il le fait rentrer dans le kli. C'est encore cachère. Pourquoi ?
parce qu'il n'a pas marché en direction du misbéar quand le sang il était par terre. Il a réceptionné le sang, il n'y a pas de problème. Il y a juste un truc qui est interdit, c'est si le sang, une fois qu'il égorge l'animal, le sang tombe par terre et le ramasse du par terre. Là, c'est plus bon. Il faut prendre le sang de l'animal directement. Ok, on a fini la première partie de la Mishnah, on le fait ça dans les mots tout de suite. Kibel a kasher venatan la pasoul. Une personne kasher apte à recevoir le sang, donc un Kohen, a reçu venatan la pasoul. Et il a transmis dans les mains d'un pasoul, d'une personne qui n'est inapte, qui est inapte à la voda. Eh bien, rien de grave, il y a chazir la kasher, qu'il rende le sang au kasher. Comme ce que je vous ai dit, à condition qu'il ne marche pas, c'est mentionné dans le Tosot Yom Tov. Si toutefois il a marché, c'est trop tard, il a invalidé le sang. Après, qu'est-ce qu'on fera? Alors, c'est simple, s'il reste du sang dans l'animal, il faudra que le Kohen réceptionne de nouveau du sang de l'animal et qu'il apporte de nouveau au misbeach. Et s'il n'y a plus de sang, eh bien, ma foi, on fera sortir cet animal au bêta des chaînes et on apportera un nouveau korban. Ok? Idem encore, Kibel Mimino Venatan Ismolo. Il a reçu de sa main droite et il l'a transmis dans sa main gauche. Rien de grave, Yachazir Lemino, qui le remet dans sa main droite. Ou encore, Kibel Bichli Kodesh Venatan Bichli Chol. Il a réceptionné le sang dans un ustensile qui était Kodesh, saint. Et il l'a ensuite transvasé dans un Kli Chol, dans un ustensile qui était profane. Rien de grave. Yachazir la Kodesh, l'Ikhli Kodesh, et bien qu'il le reverse de nouveau dans le Kli Kodesh. Ou encore, Nishpach minakli ala ritzpa va asafo kacher. Si Nishpach, il s'est renversé minakli de l'ustensile ala ritzpa sur le sol, la terre, le marbre, en fait, qu'il y avait dans la Hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash. Et après, il a ramassé, les sof s'est ramassé, donc il l'a ramassé, il l'a remis dans le clé, même un petit peu, ce qu'il a pu, ce qu'il a réussi. Eh bien, kacher, le korban sera kacher. Ok, comme je vous ai dit, à exclure le cas où le sang, depuis qu'il a égorgé l'animal, il a d'abord giclé par terre, et puis ensuite il a ramassé du par terre. Là, c'est pas bon, il faut nécessairement, la karmida ma part, il faut prendre le sang depuis le par lui-même. Ok. Deuxième partie de la Mishnah maintenant, je le lis d'abord très brièvement le principe, il va y avoir plusieurs cas, mais le principe c'est le même qui va être exprimé sous plusieurs aspects. Le principe il est très simple, il est de nous dire que, je l'ai déjà dit à l'oral tout à l'heure, d'ailleurs, c'est que si toutefois une personne passoule, le problème, la petite feinte qu'il va y avoir, c'est qu'en fait, il y a ce qui est écrit et ce qui est écrit entre les lignes. Ce qui est écrit, clairement, je l'ai déjà dit à l'oral. Invalider un korban, c'est que lorsqu'on est apte à faire le korban qu'on peut l'invalider. Mais si toutefois je ne suis pas une personne qui a l'aptitude de faire la avoda, je n'invalide pas le korban, j'ai fait du vent. D'accord? Selon ce principe. Si par exemple, je vais recevoir le sang, moi qui suis un Israël, je vais asperger le sang sur le misbéach. Puisque je suis Israël, j'ai rien fait. Donc, le Kohen, il ne peut pas réceptionner ce sang, bien, il ne peut pas récupérer ce sang et le reverser sur le misbéach, ça c'est certain. Mais, il y a quand même quelque chose de bien, c'est que si l'animal, il est encore là devant nous, il a encore du sang qu'on peut récupérer, eh bien le Kohen pourra récupérer le sang et aller l'asperger. Ok, pour le moment, tout va très bien, c'est clair. Ça, c'est ce qui est écrit explicitement. Explicitement. Sauf que la Mishnah ne va pas le dire de cette manière, parce que ça, c'est tellement évident. La Mishnah va partir le dire de manière un peu plus raffinée. La Mishnah maintenant, alors là, ça va nous rapporter à une Mishnah qu'on apprenait plus haut, au début du Perek Bet. On apprenait que chaque korban, il a une destination spéciale où verser le sang. Il y a du sang qu'on donne dans le Kodesh HaKodashim, ou dans le Kodesh, sur la parochet, sur le rideau. La plupart des korbanot, en général, il faut asperger le sang sur le misbeach hachitzon, le misbeach, l'autel qui est à l'extérieur, mais toujours à l'endroit où il y a le yesod, où il y a le socle, on aura l'occasion d'expliciter davantage. Des fois, il faut donner asperger deux fois, des fois, il faut prendre le sang et monter sur la rampe et aller le poser sur les alternot à misbeach, c'est les chataot. Ouais, chaque sang, il y a une manière spéciale, et chaque korban, chaque espèce de korban, il a une manière spéciale de verser le sang. Ok? Maintenant, on avait appris que si toutefois j'ai versé le sang à un endroit où il ne fallait pas le mettre, alors
le propriétaire qui a apporté son sacrifice s'est quand même acquitté de son devoir. Mais l'animal, on ne pourra plus le manger. Par exemple, on va prendre un korban shlamim. Un korban shlamim, alors il faut verser shtaim shenarba. Il faut prendre son sang, le verser en bas. On se met deux fois sur l'angle du misbéach. Là-bas, on l'asperge une fois dans l'angle, comme ça, ça touche deux parois. Et idem de l'autre côté. En tout cas, il faut donner son sang en bas. Ce qu'il a fait, Louis Cohen, il était fatigué ce matin. Il a réceptionné le sang du shlamim. Il est monté sur la rampe et il est parti le donner en haut. On avait appris dans la Mishnah Bet que je me suis acquitté de mon devoir d'amener le shlamim. Imaginez que j'avais fait un éder d'apporter un shlamim. J'ai amené mon shlamim. Mais c'est un shlamim qu'on ne pourra pas manger, sa viande. Pourquoi ? Il n'a pas été offert comme il se doit. On s'est quand même acquitté du korban, à la différence de celui qui a jeté le sang à la poubelle, ou qui a fait avec une mauvaise intention, ou je ne me serais pas acquitté de mon devoir. Là, en l'occurrence, puisqu'il a donné le sang, il a versé le sang même sur le kevesh, sur la rampe du misbéach, je me suis acquitté de mon devoir d'apporter mon shlamim. Seulement, il a rendu inapte à la consommation, on ne pourra plus le manger ce korban. C'est clair ? Pour le moment, tout va très bien. Ben, le but de la Mishnah maintenant, il est de nous faire 1 plus 1 égale 2, en nous disant que si moi, je suis une personne inapte à apporter un korban, parce que je suis un Israël et je ne suis pas un Kohen, et moi j'ai pris le sang, je suis parti le verser sur la rampe du Misbéach par exemple, eh ben, je n'ai pas invalidé le korban. Le korban, il est encore valide, si toutefois il reste du sang, qu'il y a un Kohen qui vient, qui réceptionne le sang, qu'il a eu le verser au bon endroit, il a pas invalidé, j'ai pas invalidé le korban. Selon le principe qu'on apprenait déjà dans la Mishnah précédente, puisque je suis inapte à faire un korban, toutes les actions que je vais faire, c'est du vent. Ça n'a aucune valeur, nulle et non avenue. C'est rien du tout. C'est comme si j'ai pris le sang et je l'ai jeté à la poubelle ou que j'ai même pas pris le sang. J'ai rien fait. Donc, si l'animal il est encore devant le Kohen, et le Kohen il peut encore réceptionner du sang et aller le verser, c'est parfait. Il va être marchir, il va rendre apte le korban à être consommé. À la différence, si c'était un Kohen qui prenait ce sang et qui allait le verser sur la rampe, donc, comme on a dit, le propriétaire s'est acquitté de son devoir, mais le korban ne pourra plus être consommé. D'accord ? Regarde, on fait ça dans les mots. Netano algabe akevesh. Le bartano précise Netano pasoul. Une personne inapte à apporter un korban, il a donné le sang à la kevesh sur la rampe sur laquelle on monte sur le misbéach. Le misbéach faisait 10 amot. 10 amot, ça fait 4 mètres. Et ça fait 5 mètres à peu près, peut-être même 6 mètres après le Khadonish. 6 mètres de hauteur, il y avait une rampe comme ça qui montait doucement, doucement pour monter. Imaginez ce que c'était 6 mètres, c'est un immeuble de plus de 2 étages. D'accord ? C'était comme ça, c'était haut le misbéach. Donc, il est parti, il a versé ça sur la rampe du misbéach. Shelo kenegada yesod. Il a versé le sang. Shelo kenegada yesod. Là où il n'y avait pas de yesod. On expliquera que le socle du misbéach, il faut donner le sang là où il y a un socle. Le socle, il ne faisait pas tout le tour. C'est un peu compliqué. On en reparlait plus longuement une fois. Natan etan itanim le mata le mala. Ou encore, il a donné ceux qui devaient être donnés en bas, en haut. On avait dit que le misbéach, il est séparé en deux. Il y a là où il y a le sauvève. On expliquera plus longuement. On apportera des dessins plus précisément. Mais en tout cas, il y a le socle du misbéach. Il ne faisait pas tout le tour du misbéach. Il fallait donner spécialement là où il y avait le yesod, le socle. Ok ? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné le sang là où il n'y avait pas de yesod en dessous. Ok ? Donc, on a dit Sheloke Negeda Yesod, donc là où il n'y avait pas en face de lui du Yesod. Nathan Netanim, Tanim le Mata le Mala, il a donné. Je suis reparti sur le Yesod, je me suis trompé. Je voulais parler du Misbéach. Il y avait même une distinction entre la moitié inférieure et la moitié supérieure. Il y a des sangs qui doivent être versés sur la partie inférieure, des sangs qui doivent être versés, aspergés sur la partie supérieure. De ce fait, il a donné un korban qui devait être aspergé en bas, il a versé en haut. Ceux qui devaient être aspergés en haut, il les a aspergés en bas. Ou encore, ceux qui devaient être aspergés à l'intérieur, c'est-à-dire dans le Ohel Moed, dans le sanctuaire, je crois que ça s'appelle, dans le Kodesh, sur la parochette, sur le Misbéach Hazav, il y avait là-bas, il y a plusieurs corbanotes très solennelles qui doivent être offerts là-bas spécialement, où le sang doit être aspergé là-bas. Au lieu de verser là-bas, il s'est trompé d'adresse, il est parti le verser sur le Misbéach Achitzon, sur l'hôtel qui était en dehors du Kodesh HaKodeshim, donc dans la cour du Misbéach, dans la cour du, du,
du Kodesh, du, d'accord, de la Hazara. Ou encore, Ve'etanim tanim bachutz bifnim, ceux qui devaient être versés sur l'autel externe, ont été versés à l'intérieur dans le sanctuaire. Alors la Mishnah nous dit, puisque c'était une personne pasoul qui l'a aspergé, il n'y a rien de grave. Imiyash dam anefesh, s'il reste encore du sang dam anefesh, du sang de l'animal, du sang qui provient encore de la vitalité de l'animal, alors la Mishnah nous enseigne, Yachazor akasher vikabel. Rien de grave que le Kohen apte réceptionne de nouveau de ce sang et qu'il aille le verser à la bonne adresse. Et dans ce cas-là, on pourra même consommer le korban, puisque finalement, le Israël qui l'a porté là où il ne fallait pas, c'était du bluff, c'était du vent, ça n'a aucune valeur. De ce fait, le sang a bien été versé comme il se doit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.